Nice, nice individual, Bate Brace. Combien en frottant pour débuter pour le fils de Bate Brace? Voilà l'acheteur du lot. 30 pour débuter, 30 000 euros. Qui se lance à 30 000 euros. Lançons-nous, 30 000 euros. Qui m'appelle à 30 000. Eric Hermite qui est venu le saluer et le remercier. À 30 000, suivons 30 à 30 000, à 30 000, à 30 000, l'enchère 30, 35, 35 000, 35 000, 35 000 jets. À 35, 40, 40 000, à 40 000, 40 000, 40 000, l'enchère à 40, à 40 000, 40 000, 5, 45 000, à 45 000, à 45 000, j'ai maintenant à 45, 45, à 45 000, suivant à 45 000, 45, 50, 50 000, 50 000, vous êtes, 50 000, 60, 60 000, à 70, 70 000, à 70 000, l'enchère 80, 10, 90 000, 90 000. Bated Breath, un fils de Danzili, issu d'un pur croisement. À 110 000, maintenant j'ai 120, 120 000. Un pur croisement de Jetmond Farms. Je me suis arrêté au moment opportun pour vous laisser entendre la cloche, bien sûr. 140, 150 000. Fils de Danzili avec une mère par Distant View. Bated Breath était lauréat de groupe 2. Et il est rentré étalon chez son propriétaire à Binstead Manor. C'est aux côtés d'ailleurs du père de son père, pardon, Danzili. Il faisait plutôt la monte cette année à 10 000 livres. Il était entraîné par Roger Charlton, ce poulain. C'est où? 220 000. Et c'était sa quatrième saison de monte. À 240. Père de la 240, placé à Royal Ascot cette année, c'est Aljora. Aljora, entraîné par Henri-François Delain. À 260 000. Pour la Kazakh Al-Shakab. À 260 000. Oh là là, dis donc, 260 000. Kamaz Park Stud, ils ne vont pas regretter d'être venus. On en a parlé de Kamaz Park Stud avec Kimi Hyde. Fini, last chance. À 260 000, bien vu, l'enchère, dernière fois. À 260 000, pas de regret ailleurs. À 260 000. On va juger. On a jugé. 265 000.